Là. Et tchalam. Ça marche. Enfin, ça avait l'air de marcher. Au tout début. À mon avis, ça semble la rediff derrière. Je sais pas pourquoi, mais ça sent ça. Un, deux, deux, un, trois. Allez, du coup. Ah! Je vais pas mettre mon casque. Ah! Bon, ça a l'air de. Enfin, ça marche, oui. Non, enfin, on a le son. J'arrive déjà à voir le son, c'est déjà ça, mais c'est vrai que ça a pas l'air de marcher. Ce soir, c'est pas grave. Ce sera une rediff, je pense, d'ailleurs. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Installez-vous bien gentiment pour cette vidéo sur le deuxième épisode de ce Let's Play sur Dragon Ball Z de Kakarot. En tous les cas, on est parti encore pour l'aventure ce soir. On va faire un pas, on va faire encore une nouvelle fois, comme la dernière fois, comme hier d'ailleurs. On va faire le. Alors attends, c'est où déjà? C'est là. On va continuer l'histoire de Bardock du coup ce soir. On va avancer un tout petit peu, je pense que là on va être dans l'histoire principale ce soir de Bardock avant d'attaquer l'histoire principale du jeu, bien entendu. Je vais cliquer sur continuer. Donc c'était niveau 24, 1h56, voilà, c'est là. Hop là, je vais passer directement sur le côté live du jeu. Pourquoi j'ai pas ce que j'avais tout à l'heure. Oui, charger cette sauvegarde, alors attends. Peut-être en faisant ça. Ah merde, c'est pas le bon truc. Attends, c'est parce que je suis en live que je peux pas le faire? Attends. Ah, voilà. Propriété. Ah, le temps que ça s'affiche. Ça rame un peu, on est en live, bien sûr. Alors, tester l'audio. D'accord, alors j'ai pas. D'accord, donc c'était pas mon truc que j'ai. Attends. C'est normal, mais pas de son. Ok. Attends, c'est normal parce qu'il n'y a pas de musique. C'est normal. Tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas de musique, tout va bien.
parce que j'essaie d'avoir le son dans le casque en fait, pour tout expliquer. Mais c'est vrai que si il n'y a pas de. Il n'y a pas de bruit, on est mal. J'entends pas. Non. J'entends rien. C'est le son qui est bas. Ah ouais, là j'entends mieux. Ah, attends. C'est une horreur. Attends, parce que du coup, vous entendez pas depuis hier? Attends. Est-ce que j'ai baissé le son du jeu ou pas? Ah ben voilà, aussi. Oui, bonjour, c'est là. Ouais, le but c'est d'entendre un peu quand même, parce que sinon on n'entend pas. Moi j'entendais pas, c'est pour ça. Confirmer. On va monter les effets sonores. Ah ben voilà. Non, toujours pas. Voilà. Comme ça on m'entendra mieux. Attends, Victor. Eh, ça fait un peu peur sur le coup, je vous avoue. Et j'entendais pas le son. Bon, il y a des choses que j'entends. Ah, déjà on entend un peu mieux. Voilà. Ah, c'est mieux. Alors du coup on est sur la planète Kanasa, c'est ça je crois. On va la détruire pour essayer de la faire revendre aux forces spéciales de Freezer, si je ne me trompe pas. Alors c'est là-bas. C'est là-bas qu'il faut aller, mon ami. Alors j'ai des petits problèmes de son, je sais pas pourquoi. Je pensais que ça venait de l'enregistrement que je faisais cet après-midi, en fait. Non, ça doit venir peut-être de mon micro. Peut-être ça vient aussi de mon casque. Je vous ai dit, il faut faire baisser les forces d'ennemis. Je pourrais aller tenter maintenant, mais ça serait trop risqué d'y aller frontal. Oui, il y a des Kanasan sans super balèze par là. Vous voulez vous frotter à eux, les gars? Franchement, ils sont peut-être trop forts pour nous. Hé, Totepo, qu'est-ce que tu viens de dire? Ah mais c'est la surprise gâchée. Passe dans le coin si tu veux voir ça pour toi-même. Ok. C'est dit pour une difficulté contre une bande de Kanasan. Bon sang, niveau pathétique, il se pose là. Allons faire un tour pour voir comment ils s'en sortent. Je suis curieux de voir ce que veut dire super balèze par ici. Ça me va, allons jeter un oeil. Donc voilà, c'est une quête annexe. Hein, tout simplement. Donc on va faire aussi. J'essaie de pas trop bouger le câble, c'est plus compliqué. Ok, donc qu'est-ce qu'ils ont eux? Pas un cuir, une topéto, qu'est-ce qui se passe? Eh les gars, vous avez décidé de vous pointer après tout? Ouais, on est venu voir de près les responsables de tout ce tapage. Alors les mauviettes, on a des soucis à gérer, un petit canassin. Isolé. Ouais, juste un peu. Il n'y en a pas beaucoup de types aussi tenaces que lui sur Skyou.
Ça nous semblait égoïste de le garder pour nous. Alors, voilà pourquoi on vous a appelé, les gars, histoire de partager un peu. Ouais, si tu me dis. De toute façon, la faiblesse des gars et du coin commençait sérieusement à me barder. On n'a pas encore commencé. Bien, jetons un œil à leur niveau de puissance. On dirait que bien qu'ils soient aussi puissants que prévu, ça pourrait être amusant. Voilà enfin quelqu'un digne d'un véritable combat. Bon, et si on s'occupait du boulot? Puisque vous êtes venus jusqu'ici, vous voulez pas vous occuper d'eux, tous les trois? En fait, on était sur le point d'aller attaquer une autre colonie quand il s'est pointé. Il faut qu'on aille là-bas pour éradiquer ce qui reste. Ouais, voilà, c'est exactement ça. T'en dis quoi, Bardock? On peut vous les laisser? Niveau 25. Ça pique un peu, je pense. Parce qu'on n'est pas niveau 25, mais encore. Mais encore que niveau 24, mais c'est pas grave. Ouais, on va s'occuper. On va s'en occuper tous les trois. Faites attention à vous, d'accord? Ceux-là ne sont pas comme les autres Kanasan. C'est peut-être une sorte de mutant ou un truc dans le genre. Je ne vois pas d'autres raisons qui pourraient expliquer pourquoi ils sont si forts. À vous entendre parler de lui, il a dû vous en faire voir des pertes et des pas mûres. Au moins, il est plein de promesses. Voyons voir s'il est vraiment aussi fort que ce que vous prétendez. Alors, il est là-bas. Ça doit être sûrement ce type. Rien qu'en le regardant, on voit bien que c'est un Kanasan. Kanasan différent. Tu crois qu'il a muté? Ou peut-être qu'il possède un génome rare de guerrier? Vous êtes des camarades des types de tout à l'heure? Exactement. Tu as vraiment fait un sacré numéro avec mes amis. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous avez attaqué notre planète? Parce que le seigneur Freezer l'a retourné. Voilà pourquoi. On est là pour exterminer toute vermine avant qu'il ne vienne s'installer. Vous avez massacré tout mon peuple par simple plaisir égoïste. Vous me faites vomir. Voilà encore un FM. Il arrive. En garde, Bardock. Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? Tu promets d'être un bon divertissement. Je t'avoue que ça m'excite. Un divertissement? Ouais, le reste des congénères ne sont que des faibles. Ils m'ont tous ennuyé à mourir. Bon sang, tu es magnifique. Je vais vous faire souffrir, tout autant que vous avez fait souffrir, mes frères d'armes. Doublage, monsieur. Allez, c'est parti pour le combat. Alors, tac, tac. Je pense que c'est vraiment le casque qui est en train de mourir. Alors, attendez. On va essayer un truc. Parce que là, c'est vrai que ça me gêne moins. Voilà. Habituellement, je le mets pas en fond, je l'enfonce pas en fond. Ah, c'est pareil. Je pense que c'est mon câble qui commence à. Alors, même, ça fait un moment que je l'ai ce câble. Ce casque. Il faudrait que je m'en prenne un autre. Allez, c'est parti. Lui, on va l'avoir. Ils m'ont quand même enlevé pas mal de points de vie déjà. Tac tac. Donc pour l'instant, je rappelle, on n'a perdu aucun combat, alors ça m'énerve juste d'avoir du son d'un côté. D'habitude, ça me dérange pas, mais là, j'avoue que ça me dérange genre. Mais ouais, je pense que c'est mon casque, il commence à rendre l'âme. Fallait que je fasse des économies pour en acheter un autre. Peut-être baisser le son du jeu pour le coup, parce que il a l'air d'être ça a l'air d'être un peu fort. Alors pas pour moi, ça va très bien, mais j'ai l'impression que sur le peut-être pour le live ça va être un peu fort pour la vidéo. Ah santé. Ah mais je suis mort. Ah merde, ça pue. Non, réessaye, première mort. Non, parce que alors j'avoue, je suis pas concentré. C'est vrai que le truc du son me dérange un peu. J'avoue que je suis pas concentré sur le combat. J'étais pas concentré. Allez, cette fois-ci, on y va.
On se concentre un petit peu parce que c'est pas normal que je perde maintenant. En fait, j'aurais pas dû perdre. C'est niveau 22. Normalement, lui, il doit être sans problème. Aïe, 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 ça fait mal, ça fait mal. To the night. Est-ce qu'on va arriver à les éliminer? Est-ce que je vais arriver? Ah, c'est ma vie. Ouh, ça pue. J'ai eu chaud, mais alors. Après, ça pue, c'est normal. Hein. C'est level 25, je suis level 24. C'est normal que je galère encore un tout petit peu. Ah, punaise. Je sais pas, je crois que je n'aurai pas un beau score. Allez, je préfère du combo, je préfère du combo. Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais perdre encore une deuxième fois? Allez. C'est bon. Oh là là, quand est-ce qu'on a échoué? Ah ouais. Niveau A, c'est normal. Ah, niveau supérieur quand même. Il est pas pour moi. C'est pas grave. C'est les autres qui ont été niveau supérieur, moi j'entends pas. Ah là là. Et dire que je pensais que tu serais plus amusant que les autres. Quelle déception. Il n'était pas vraiment de taille contre nous après tout. Dis-moi, tu crois que ces abrutis se laissent aller en perdant leur efficacité ou quoi? Vous avez bien pris votre temps, hein? Nous on a fini ici. Ah mais c'était Bardock ça. Quoi, déjà? C'est Bardock qui a fait le plus gros du boulot. Voilà de quoi notre chef est capable. Il s'est occupé du casse-pied. Sans rire. Maintenant, les gars, à vous de nettoyer le reste. Ouais, bossez un peu pour évacuer tout le lard que vous avez accumulé ces derniers temps. Si vous refaites un coup de ce genre, je m'assurerai personnellement que vous soyez privé de souper. Quoi? Ne rigole pas avec ça. Ce ne serait plus jamais un problème, c'est promis. Voilà deux singes qui marchent à l'estomac comme j'en avais jamais encore vu. Comme j'en avais encore jamais vu, pardon. Bien, bien. Divisons-nous en deux groupes et éradiquons les quelques canassans qui restent. Ouais, faisons-leur vivre un enfer. Il n'y a plus personne pour se dresser contre son chemin. Ça va être un bête, ça. Pardon, excuse-moi. Ne croyez pas qu'on demandera de l'aide à nouveau, pas avec le dîner en jeu. Exactement. Écoute bien ça, Bardock. Si c'est vous les gars qui vous retrouvez à la traîne, alors vous serez privés de repas aussi. Ok, on va pas se retrouver à la traîne, nous. On va gagner. Une idée, viande d'esquisse, viande de bête sauvage, des rosées, c'est cool tout ça. Eh ben, ces deux-là reprennent du poil la bête bien vite. Ils ont beaucoup trop pris la confiance. Dès qu'ils n'avaient plus d'adversaire digne de ce nom. Cela dit. Cubine a raison. Il faut bosser un peu pour gagner sa croûte, c'est vrai. Ouais, d'accord, tout va bien, Bardock. Eh mec, pas moyen que je joue mon repas là-dessus. Mais c'est toi qui as parlé en premier. Si ça te plaît pas, t'as intérêt à cravacher pour ne pas perdre. Bon, ah ben j'ai pas gagné de vie. Merde, par contre. Attends, niveau supérieur.
Si, j'ai gagné une vie. Alléluia. Bon, j'ai quelques petits problèmes de son et je sais pas d'où viennent ces problèmes, si ça vient vraiment. Faudrait que j'écoute peut-être dans la rediff si ça vient de mon micro, si ça vient de capteur d'écran. Moi, c'est du capteur d'écran, je peux rien y faire. Ça vient du micro, je peux rien y faire. Si ça vient vraiment de mon casque, bon, ben, je change de casque et puis voilà. Mais voilà, faudrait que j'écoute un petit peu la rediff, je pense pas que ça vient du casque. Que ça vient du micro ou du capteur. Voilà, donc là c'est raid, donc ça veut dire que là je vais avoir un certain nombre d'ennemis à éliminer. J'adore quand elle place 0 sans accro, référence à la chanson risque. Alors, tac, tac. Ah punaise, les combos Z sont les solutions. Ok, merci Captain Obvious. 145, putain, je pensais que j'avais que 80. 185, vous voyez déjà le combat il va être déjà assez long. Alors heureusement que je suis level 25 parce que sinon ça aurait été un enfer de le faire. Ah ouais, c'est horrible ce son. Ce problème de son. Ce problème de casque, j'ai l'impression que c'est le casque qui déconne. Reste 126 sur 145. Alors le but c'est de les faire venir un suprême à Z pour faire un combo Z. Comme ça je peux éliminer le plus possible. Mais ça c'est pareil. Ça par contre dans l'histoire principale vous ne le verrez pas. On le verra beaucoup plus tard dans le jeu. Mais dans l'histoire principale vous ne le verrez jamais. À moins qu'ils ont fait des rajouts là-dessus mais je ne crois pas. Ah, c'est pas vrai, je sais, j'arrive pas. J'ai dit qu'il m'est raté de rime. Ah, tant mieux. Ah, amen. Désolé, j'avais le pied qui me grattait, c'était horrible. Et bonsoir à la deuxième personne qui est arrivée sur ça. N'hésite pas à me dire si tu as un problème de son, si tu as un surcoupe chez toi aussi, ou si ça vient vraiment de mon casque. Voilà, parce que je n'arrive pas à savoir si ça vient de mon casque ou si ça vient d'autre chose. Attendez, ah, j'ai une idée de savoir comment je vais faire. Ah, attendez, je coupe, je reviens. Ouais, donc j'ai dû remettre le son de la télé du coup parce que j'ai l'impression que soit le son du jeu il est trop bas par rapport au son de ma voix, soit
J'ai vu, j'avais vu. Je peux faire que confiance en vous, là j'ai aucune idée pour la chanson. Alors en plus, je vous explique que le live ne fonctionne pas ce soir, donc c'est la merde. Donc tout va bien de ce côté-là. On est super, on est bien ce soir, très bien. Je vais juste voir le truc avant. Allez, c'est parti, le combo Z. Bon, je suis désolé pour cette attente. J'ai voulu tenter un truc en fait pour tout vous expliquer. J'ai tenté un truc cet après-midi pendant l'enregistrement. Malheureusement, la vidéo je peux pas la refaire, donc tant pis, il n'y aura pas de son de jeu, mais il y aura tout de ma voix, c'est déjà beaucoup. Bon, pour après, ce qui se passe dans le jeu, c'est pas intéressant, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, du coup, pas de son de jeu. Et du coup, là, je viens de faire la même chose en live, et cette fois-ci, je me suis rendu compte pendant le live qu'en fait, la technique que j'avais utilisée, c'était pour écouter en fait le son. Donc c'était le test de son sur Streamlabs pour avoir le son dans le casque en fait parce que j'aimerais bien avoir un retour de son, mais en fait si j'ai bien compris c'est que t'as le son dans le retour du casque mais du coup sur la vidéo t'as pas de son, ce qui est un peu con, on va se l'avouer quand même, c'est un peu très con comme truc. Donc du coup ben, on revient à la bonne limite, c'est à dire que la télé qui fonctionne, le casque sur le casque pour faire style genre ça fonctionne très bien. Et puis voilà, hein, on va faire ça. Alors on va continuer comme ça. Niveau de force d'ennemi a diminué. Beaucoup de combats. En plus, c'est bien, c'est qu'on augmente le niveau.
今回の狩りは楽しめそうじゃないか。ちょっと、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 ちょっと
Allez, viens là, viens là. À 185e. Là, là. Ça y est. Fini. もう少し楽しみたかったぜ. Allez, c'est bon. En S83565 expérience. Niveau 27. C'est trop bien, ami. Pardon, je m'excuse du terme que j'ai dit, mais. C'est balèze quand même. Près des matchs, il y a un peu de temps. C'est important, on va dire, dans le jeu, faire des achats, des trucs comme ça, mais j'avoue que je ne m'en ai jamais préoccupé. C'est pas très récemment. Alors, attends, est-ce que je peux déjà augmenter certains trucs? Ah, mais oui, j'ai aussi. Pour commencer, voilà. Non, je pas ça. Voilà. On fait ça. Ça. Ah, t'as mis niveau 30. On n'est plus très loin, niveau 30. J'avoue que c'est pas la partie la plus amusante que j'aime faire dans ce jeu, mais on n'a pas le choix. Il faut faire ça pour pouvoir augmenter dans les statistiques après dans du jeu, parce que sinon tu vas galérer pour les niveaux. Voilà, du coup ça c'est fait. Oui, je vais faire pour les autres, c'est pas grave. Et je vais pouvoir faire. Oui, j'ai jusqu'au niveau 28 que je peux faire. Jusqu'à là. Oh là là.
réussi à esquiver. N'est pas assez élevé encore. Je pense que je suis allé trop vite. C'est chaud. Je combat. Du limite. Ah, c'était vraiment. Là, c'était vraiment. Ouais, je l'aurais peut-être pas dit. Bon, je fais pas le niveau super jeune machin. Ah, mais j'ai pas fait ça. Ah oui, bah tu m'étonnes, je fais directement le niveau 26 ou 25. 26, ouais, c'est normal. Logique, bien entendu. Bon, on va attendre un peu. Objet, qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'il me reste? On va continuer un petit peu à avancer dans le niveau parce que là j'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi là. Ah, décidément, ce soir la vidéo c'est soit le son de moi, soit il n'y a pas de son, soit je fais n'importe quoi dans le jeu, tout va bien. Ah, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Ah, j'ai perdu la limite, je suis dégoûté. Actuellement, le niveau de force, le combat sera assez court, c'est là-dessus. Non. Attends. Est-ce qu'on a autre chose à faire maintenant? Chose que je ne crois pas. Ah non, non, non. Ah, il sera pas corsé, il sera juste trop simple. Parce qu'on a battu tout le monde. さっきから暴れ回っているようだが、この町には決して手出しはさせん。気がって今のうちだぜ。相手が悪かったね。おしゃしないよ。皆の者、金させを守る。おお。さて、一仕事するか。 210.
J'ai acheté un nouveau câble aussi pour le chargement qui va me permettre de charger mon téléphone tout en chargeant les manettes de console, parce que j'avoue que ça devenait très compliqué actuellement de pouvoir charger les manettes et le téléphone en même temps. Du coup je me suis commandé un autre câble. Maintenant je peux charger mon téléphone et charger les manettes. C'est génial. Ah, qu'on les aide, on en a 44. Je pense pas qu'on va arriver à 208. J'avoue que ça serait trop facile. Mais au moins, pas loin des 200, je pense. C'est le plus fort. C'est 1723 points de vie. C'est horrible. Je joue avec le feu. Vous allez voir, je suis en train de jouer avec le feu. Oh oui, j'ai réussi. Est-ce que j'ai eu le... Allez, dis-moi, j'ai eu un... Putain, j'ai eu un... Quoi, c'est ça pour moi. J'aurais aimé le rat S, mais là, bon, rat A, ça va très bien. でもまだ生き残りがちらほらいるみたいだよ。満月まではまだ少し時間があるな。それやるまで残ってる奴らと遊んでようかね。Bardock apprend la naissance de son fils. Le guerrier n'éprouve aucun intérêt envers cet avorton, s'envolant pour la planète Kanasa, sans même vouloir avoir vu le visage du nouveau-né. Oui, ce qui paraît, son fils, ce serait un soldat de bas niveau, de classe niveau inférieur, je sais pas quoi. Je sais pas, je connais pas la différence. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de Oh! バーダック、時間だ。おう。てめえが仕上げだ。Par le pouvoir de la lune. Que Neptune nous vienne en aide. La vache, ça fait un peu peur quand même. Thank you.
ce pouvoir de destruction quand même quand tu se transformes en singe, c'est bon. Détruite et Freezer est en retard. Ça serait cool, tu sais, jeudi du soir change un peu. Les Saiyans sont irrésistibles sous la lueur de la pleine lune. L'équipe de Bardock utilise toute l'étendue de ses pouvoirs pour massacrer la planète Kanasa. On est un peu les méchants hein, pour le coup là. On est un peu les bad guys, j'ai envie de dire. Mais parce que voilà, on est habitués, nous les Saiyans, à être comme ça. Tout simplement, c'est la violence quoi. C'est qui est le plus fort, il est le plus fort et basta, les autres sont tous des faibles. てめえが油断したからだよ。しかしバーダックよ、息子の誕生祝いにしちゃちょいと派手にやりすぎちまった。息子の誕生祝いだと？くだらねえ冗談だ。この星も片付いたことだし。 惑星ベジータに帰って会ってきたらどうなんだ。何の見どころもねえ最下級兵士のクソガキにわざわざ会いに行くバカがいるか。いや、わざわざ会いに行くバカがいるか。そうかい。いや、しかしフリーザ様には感謝しな。毎度毎度俺たちはよく使ってくださるぜ。だがなんだってフリーザ様こんなチンケな星を欲しが らっしゃんだ。なんでもな、このカナッサ星には変な超能力を身につけられるエネルギーがあるとさがあってな。そんな噂を信じてるのかどうなのか、フリーズ様は前々から手に入れようと考えていたらしいぜ。お、survivant。 Rescapé Kanasa de Tolo.油断してたぜ。来て。わしは今、お前に未来を予知できる幻の剣を放った。お前ら一族の行方が見えてくるはずだ。未来を？何を言ってやがんだ。言っておくが、お前ら。 Fallait pas énerver Bardock, je pense. Bardock l'histoire. Ça veut dire qu'on a là pour vous expliquer, on a fini un objectif de cette histoire. Le coup infligé par le dernier survivant de Kanasan laisse les dégâts et séquelles terribles à Bardock. Le guerrier est rapatrié sur la planète Vegeta où il subit une cure de récupération. Et pourtant il a donné que. On l'a vu. フリーザ様、たった今カナッサ星を占領したという報告が入りました。 ほう。予定より1ヶ月ほど早く手に入れることができました。誰なんだ？
その悲しさを攻め落としたって野郎は名もないサイヤ人の下級戦士どもだ。サイヤ人？最近の奴らはよく働きやがるな。確かに珍しいものがある。特にフリーザ様が目をかけていらっしゃるのベジータなどはとてもガキとは思えない戦闘力だしな。ではない。一人一人では大したことない奴らも徒党を組むととてつもない力を発揮するようなのだ。へっ、お前何を怯えているんだ。いや、私はただこのままサイヤ人を放っておいてはかなり面倒なことになると思ってな。いつまたベジータのような奴が現れるかもしれんし、もしそんな奴らに徒党を組まれた時にはになるというわけですね。Donc le prince Vegeta pourrait faire peur à Freezer. Le coup infligé par le dernier survivant de Kansa laisse des dégâts et séquelles. Oh, on l'a déjà lu. Je vous l'ai dit que c'était un chargement, on allait les avoir beaucoup. どうなんだ。肉体的には全く問題ないが、脳波に少し異常が。仕方。今回はバーダック置いていくことにしよう。俺はどうしよう。なんだこれは。言っておくが、お前らには呪わ。行かないぞ。我が一族と同じように滅び去るのみなのだ。その未来の姿を見てせいぜい苦しむがいい。うわっ。ハハ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 。今カプセルを開ける。何だったんだ、さっきのは。ってビザ。夢にしては少し違った。嫌に罪があるような。星の爆発。青い星に向かうポット。それにあのガキは。ぜバカバカしい。うなされていたが、大丈夫なのか。てめえらと出来が違うんだよ、出来。それよりトーマたちはどうした。フリーザ様の命令で惑星ミートに出かけて。チキショ、俺を仲間連れにしやがって。惑星ミートか、すぐ近くだな。よし。おい、バーダック。 OK。 Alors, est-ce qu'on a dit qu'il y a un ex à faire ou pas? Pour l'instant, on continue l'histoire. Un enfant qui pleure. Quel malheur à cet enfant pour pleurer comme ça, sérieux. On dirait une planète qui explose. Cacarotte. Cacarotte. Tchè, centaurioc, tata no nika. Kuzga. C'est pas pour Kuz. Pour lui. Cacarotte. Bon, si vous connaissez déjà Cacarotte, vous savez très bien qui c'est. Mais on va pas le dire là, on va laisser un peu de suspense, bien entendu, parce que vous allez peut-être pour découvrir le jeu. En même temps, bon, après, si vous connaissez bien. Les sens sont rapinés dans la salle de soins, l'équipe de Bardock décolle vers sa mission suivante sur la planète Myth. Ayant finalement récupéré, Bardock part lui aussi pour Myth à la poursuite de ses camarades tout en étant assiégé par une mystérieuse vision. Je pense que là, je pense qu'on va enchaîner sur le scénario, sur le scénario.
sur le scénar en entier, je pense. Je sais plus. Je sais comment se termine le scénar. Hein. De toute façon, si vous connaissez déjà l'histoire, vous savez très bien comment se termine déjà cette partie-là. Cette partie-là de l'histoire. Mais là, je pense qu'on va enchaîner. On va enchaîner le scénar. Ok, oh, gain d'expérience, niveau 32 la vache. Un nouveau menu a été jeté pour l'entraînement. Et je n'ai rien d'autre à faire. Donc, et je crois pas qu'il y a assez de... Ah si, j'en ai assez à rentrer. Personnage. Du coup, on va aller faire quand même un peu le truc. Ça. Alors, attends, est-ce que ça je peux le faire? Et non, je l'ai pas, j'ai pas fait de bon. j'ai pas fait de bon, je me suis planté. Littéralement, c'est génial. Hein. On aime, quand on se plante, c'est génial. Ça, pour l'instant, on a quand même 20 000 trucs, donc ça va. Ouais, c'est... Non, c'est pas 20 000, c'est plutôt 2 000. Ouais, j'ai pas... Ah merde, j'ai plus de trucs. Ouais, j'ai... ok. Très bien. On va faire le truc d'entraînement donc, qui est juste là. Parce qu'on a gagné pas mal de levels donc. Autant essayer de le faire. Les gammes d'attaque. J'ai un truc super jaloux. Ah, j'ai pas mis super jaloux. On va mettre tout ce qui est à 2 étoiles maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Alors ouais, on va commencer par le niveau 24 quand même, parce que voilà. Faire autre chose. Ça me gratte. Et sinon, c'est une vidéo où je me gratte de partout. Je crois qu'il me gratte de partout. J'ai pas de son au début de la vidéo. Au début, c'est génial. C'est un bon live, ça. C'est génial. Après, je dis, si vous allez à la vidéo, ça. Tiens, moi je trouve ça. Ah, je vais. Je l'ai eu. Ok, je vais pas tenter de faire le 27 parce que non, c'est mort. Le 27, je tente pas. Le 37, on n'y est pas encore, mais le 27, je tente même pas.
On n'est pas encore assez haut level. Casse. C'est par là. J'ai des qui me gratte sur lui. Désolé, je vous raconte ma vie en même temps. On est là un peu pour ça aussi. Mais... Quand t'as tout le corps qui te gratte comme ça, c'est horrible. J'ai l'impression que je suis un buffet à volonté pour les moustiques, sérieux. Putain, mais allez voir mes parents, mais si rien n'est venu, allez les voir, quoi, sérieux. Pourquoi toujours moi? Je suis la veste à combien? Allez. Oui, non, mais non. Lui, je veux partir, mais j'appuie sur nom. Tout à fait logique. Yoshi, ok. À peine réveillé, on est de suite parti. Pardon, c'est vrai. Oui. Planète mythe. Dodota. Zéro da. Tare mo iki no kuchi nagatta ze. Yoshi. Ma zenmetsu tte wake ka. Zenmetsu. Ah. 帰ってからの楽しみが一つできた。置いていかれてかわいそうなバーダックさんのために慰めの一杯ぐらいおごってやるかな。俺も何ごろ。やつのことだ。それこ。うお、怖い怖い。何言われるかわかったもんじゃねえ。そうだな。向こうに戻ったらガキの誕生祝。なんだ？ え？ Mercenaires, des personnes encore plus fortes que les aliens, un peu bizarre quand même. Zuibu, mata hade ni yaritta na, aitsura. Yatsura mu. C'est pas bon signe ça. バカな野郎だぜ。おとなしくおねんねして。まさか水戸星人の中に。あんな奴らはすぐに全滅させた。それじゃ誰がおめえたちを。フリーザだ。奴があげりやがったんだ。 惑星ベジータに帰還しようとした俺たちを、あいつらは上がった。もちろん俺たちもセリパもバンブーキもやられた。そして ça c'était plus fort hein, déjà Facha, Facha elle était forte. Nazeだ。なぜあんたたちが。 Mais subalterne. さすがに。ぶといじゃねえか。スティア人はよ。C'est pas rien avec ses comptes,
Dodoria. Danga yo. Mou skoshi asobasete moraneto na. Naze da? Naze? Chika kotta koto wa? Ki ni naru ka? Sou da na. Meido no yaku ni oshiete yaru ka. Kore wa na. Frieza sama no gomirei da. Na, nani? Frieza, kisama ra saiyajin ga mezawari da to oshatteru. Uso da. Ore tachi wa zutto Frieza sama no meirei dori ni ugoite kita. Somuita koto nado ichido mo nai. Sore mo kimi ni irare nakya kou da yo. これか。そういうことで。俺たちを利用しているだけだったんだ。俺はもうダメだ。だがこのままじゃサイヤ人全員フリーザの野郎にやられちまう。いいかよく聞け。すぐ惑星ベイに戻れ。そして仲間を集めてフリーザを倒すんだ。やつにサイヤ人の強さを思い知らせて。いや。OK。Ah bah ouais, il est mort. Il a l'air heureux d'être mort, je comprends. C'est dommage que la censure elle est surpassée par là, parce qu'il me semble que à la base, si je me trompe pas, il prend le bandeau. Et comme il est taché de sang, en fait, il devient rouge, le bandeau. Mais malheureusement, encore une fois, la censure, elle est vraiment passée par là. Il y avait déjà une censure au niveau du manga lui-même. En France, je parle pour la France, pas pour... Vous voyez, là, il devient rouge de sang, c'est pas normal. Parce qu'à la base, il doit être rouge. Là, il devient rouge de sang quand tu le tiens dans la semaine. C'est pas, ce qui est pas logique. Mais là, je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils devaient respecter quand même le manga, mine de rien, parce qu'ils sont censés respecter l'histoire du manga. Et c'est vrai que l'autre il est censé être en sang. Voilà. Il y a quand même un casse avec le bandeau, hein, ton bardo. Je trouve que le bandeau sur la tête, ça lui donne un petit peu. Déjà, il a la scène-là, et je trouve qu'il a un peu plus de gueule avec le bandeau à la scène. La transformation d'esprit de rage guerrière de Bardock est désormais disponible. Petite transformation. Ah,
れるまでてめえらを痛めつけてやる。どうしたどうした。所詮お前はこの程度なんだよ。あいつらの仇だ。チリにして。あれ、あ、c'est pas le bon combo。Ah non, c'est chiant. J'ai pas du combo que j'ai gagné. Ça c'est bon. Aïe, aïe, ça fait mal. Aïe, ça fait mal. Aïe, ça fait mal. Esquive. Ah, punaise. Aïe, aïe. Oh, c'est chaud. Oh, c'était chaud. C'était limite. Je fais que des conneries. Il en reste encore. C'est limite à 32 là. Je serai là pour faire mon pouvoir. Allez. Et ah, c'est pas vrai. King and the noise. それはこっちのセリフだ。てめえらで地獄の苦しみを与えてやる。ここまで苦戦するとは。あいつらの恨みはこんなもんじゃ晴れぬぞ。下級戦士なのか。そろそろ。あらしい。おま。あそこね、ロラン、ロラン。Ah si, on a leur S, oh génial. Niveau super 34, trop bien. Mec, il est super content. Son na bakana. No hazu. Level wa dou are. Saiyajin ni wa chi. Yudan suru na. Quand la chaîne sera une autre. Un personnage de comme on dirait son fils, non Kakarot, je sais pas. Allez, la suite. それでも。何
Et un peu plus fort. Si vous voulez me prendre... Ah mais merde, vas-y, lâche-moi. C'est méchant lui. Putain, combat-toi à la loyale quoi, sérieux. C'est bon. Ah, c'est super. Il est 36 quoi. Mais on gagne des ors en même temps, donc c'est génial. Namiagatte sassa to ano kuzu domo no you ni shini. Kuzu wa tebe ga da. Ça c'est dur. もう少し遊んでやっても良かったんだが。おい、どっち?地下命令だ。すぐに我々とベジータに向かうぞ。分かった。罰を与えてくれた。クリーザ様は本当に俺たちを。 Vitage M, médaille D, protéines de puissance. こいつを打ち上げてくれ。打ち上げ目標はFX50方向。名前はカカロット。なるほど。こいつがバダックの息子。ランクは最下級兵士。派遣付きの惑星はと。 Je me demande ce que Pérez est envoyé, tiens. Ce fameux Kakarot. Tous ses camarades ont péri suite à la trahison de Freezer. Bardock entreprend de les venger et tue leur assassin, mais il n'est pas à la hauteur face à Doria. L'un des aides de camp de Freezer est fini gravement blessé. Ah, il gagne quand même petite. Je viens de voir un truc. Je viens de voir un conseil d'aventure. Le jeu, ça fait 3 ans que je l'ai. Je viens de voir un conseil d'aventure qui me fait comprendre un truc que je fais depuis plusieurs heures de jeu déjà dans ma partie off, c'est que les personnages qui ne sont pas dans ton groupe gagnent tout de même une petite quantité d'expérience. Voilà, je me demandais depuis pas mal de temps comment ils faisaient pour augmenter alors que je ne les prenais pas avec moi. Ah ben j'ai compris. Son et lumière.
した。バーダック。惜しかったな。たった今、お前のガキを打ち上げたところだ。確か、地球とかいう辺境の星な。地球だと？なあ、太陽、青い星だ。まあ、いくら下級戦士でも、数ヶ月もあれば壊滅できる星だぜ。青い星。お前、その体を治したら会いに行ってやるといい。しかし、どうしたんだ？お前ともあろうものに傷をつけて。確か、巫女に行ったんじゃ？間違いねえ。今まで見てきた夢は本当の未来ということは、まさか。おい、バーダック。Et après la perfidie de Freezer, Bardock cherche à faire la lumière sur cette funeste situation, malgré son corps gravement amoché. Attends, j'ai un truc là. Boulo boulo, j'en ai. Ah, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Ah, pourtant, j'ai marqué que j'avais une quête annexe qui s'est débloquée. C'est la fête, tu sais, c'est comme dans les jeux de mots RPG, ou des appels loin. C'est la fête du monde, t'as une quête, faut battre une méchance. Tu détruis tout l'univers et toi, tu fais ta quête annexe à côté, tu la suis. Voilà, alors c'est pas grave. Bardock, j'en ai quoi.他の奴らはどうした？ちょっと、おいおい、そんな体でどこ？やっぱり上手いな。無理すんなよ。さっさと治療して。Merci les amis. Merci de m'aider à m'amener vers le médecin. Pour ressembler de sa vie. Merci, c'est gentil. Et où, à quel endroit vous trouvez les Twin Saiyan, bien sûr, c'est dans un bar. Hé, 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 hé,他の奴らもみんなやられちまった。俺たちをわっベジータを この星が消えてなくなるだと大丈夫かフリーザ様がそんなことするはずがなかろう。夢でも見てたんじゃねえのか。くそったれ。もう頼まん。てめえら全員地獄へ。をおい、バーダック、ほっとけよ。あいつどうかしてるぜ。Vraiment très très mal. Je suis maintenant en train de me faire un peu de mal. Je suis en train de me faire un peu. Tiens, une personne aux cheveux bleus, très bizarre. Elle a marqué un t-shirt avec marqué son pull, je crois. Pull t-shirt, je sais pas.
marqué peut-être bulle. On va voir. Ils font un truc bizarre. Je trouve que c'est vrai que du comme ça, tu sais, quand tu connais pas le manga, tu fais. Qu'est-ce qu'ils font? On va être suspendu les mines, que ça veut dire. C'est pas trop ce que ça représente. Allez, donnons-lui notre énergie, donnons-lui notre puissance pour qu'il puisse vaincre l'armée des Freezers. On a besoin. Récompense d'histoire, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, c'est parti. Non, on retourne l'autre côté. Quitte la base directement vers le placement de Freezer. Je peux absolument rien faire à part ça. Et ça encore, je peux même pas le faire. Donc, c'est pas sûr. Non plus. Ah bah c'est lui. Voilà, en vrai pour l'instant le reste je peux pas. Saga seul face au destin sur 3. Ok, je crois qu'on dirait plus 2. C'est pas. Allez, continue. Alors, t'as vraiment regardé un petit peu, ça fait longtemps qu'on a passé là. 2h30. Ah ouais, oui, ça fait quand même pas mal de temps. Ça regarde que c'est pas trop mal. Il y a quand même 3h, plus 3h de jeu hein, déjà pour commencer. 3h16. Je crois que j'avais dit qu'il fallait entre 5 et 10h pour finir à peu près un DLC. Et encore, ça dépend comment on y joue. Un DLC, bien sûr. Corriga. On le saura très rapidement. Convaincu que ces révélations étaient des visions du futur, Bardock incite ses camarades Saiyan à renverser Freezer. Cependant, ses frères d'armes refusent de le croire et le père de Son Goku se voit contraint de partir pour un ultime combat dans l'espoir de forger un futur meilleur. Même dans le rappel, en fait, tu te spawns carrément le truc. Parce que lui, il a marqué Kakarot, ce qui est à la base le vrai nom, ils ont marqué Son Goku. Voilà, donc des rouges. C'est dommage, tu commences par le DLC, du coup tu connais pas l'histoire vraiment de Bardock, mais tu connais un peu l'histoire quand même de tu te dis, attends, Kakarot, c'est qui? Bon après, si t'es pas con, tu peux comprendre que déjà Kakarot c'est déjà le nom du jeu pour commencer, avec un personnage central sur l'affiche, tu fais, ah je crois savoir qui est Kakarot. Mais après voilà, faut avoir la logique. Quoi? Ah, une autre planète. On a changé de planète, on n'est plus sur la planète Vegeta. Putain, il était loin ce bar. La vache. Kakarot. Ok, donc ce serait son fils, mais plusieurs années plus tard.
せねえか。させてたまるか。OK. Ah, donc Jax, c'est bon. L'attaque spéciale Rue et Rébellion de Bardock est désormais disponible. Elle nous menait tout à l'heure d'entraînement. Ok. Phare. Non. Non, déjà, premièrement, on va faire cette phase annexe. C'est la fin du monde, je rappelle. c'est la destruction, c'est l'annihilation totale du monde, mais on va faire une quête annexe. Je ne sais pas. Mais que, pourquoi vous n'avez pas peur? Tu es débile, ou tu le fais exprès? Ce genre de truc marchera pas sur les Cybermen. Tu es ce Saiyan que j'ai rencontré avant, tu tombes à pic. C'était justement toi que je cherchais quand je me suis fait attaquer par les Cybermen. File-moi un coup de main. T'es une grosse tête. Mais tu sens le mélon. J'aime pas ces catégories. C'est pas drôle, c'est pas intéressant. Franchement, je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Mais d'accord, je vais exterminer cette ermite. Recule. Merci mille fois, fais-les souffrir. C'est pas difficile mais surmontable mais voilà c'est pas assez de points de dégâts par rapport à eux. Oh, j'ai fait avoir de l'herbe. Pardon, mais c'est pas facile. J'ai pas monté. Plus sérieusement, c'est un sacré problème si tu ne sais pas gérer quelque chose BMN. Tu es vraiment, vraiment soldat des forces Freezer. Le combat n'est pas trop mon fort. Je suis chef de formation après tout. Non. Tu disais que tu me cherchais. Pourquoi faire? Juste pour ta gouverne. Je ne t'aiderai plus à trouver quoi que ce soit. En fait, je cherchais toi parce que j'avais un petit truc à te dire. Un truc à me dire. Quoi? Mais tu sais, quand j'ai livré ce plat au Seigneur Freezer un peu avant. Seigneur Freezer, voici le plat du jour. Très bonne dégustation. Je l'ai mijoté avec des ingrédients que l'on ne trouve que sur la planète végétale. Je suppose que ça veut dire que c'est la dernière fois que je dégusterai ce petit plat. Pardon,
Oh non, rien d'important. Oublie ce que je viens de dire. Oh oui, chef. Je n'ai pas réussi à m'ôter la tête que le seigneur Freezer avait dit. Vu que tu m'avais aidé avant, je me suis dit que je ferais mieux de te prévenir. C'est donc pour ça que tu es venu jusqu'ici. Je sais, je tire peut-être des conclusions un peu hâtives, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas m'en empêcher. Je suis un homme de devoir. Que puis-je dire d'autre? Tu es resté aussi bizarre qu'avant. Dans tous les cas, j'ai compris le message. Cette planète n'est pas en sécurité, alors tu feras bien de te décamper. Nani? Quoi? Attends, mais il va sérieusement se passer quelque chose ici? Détends-toi, je vais m'en occuper. M'occuper? Ne me dis pas que tu comptes aller défier les forces de Freezer. C'est une blague, j'espère. C'est du suicide. Et je ne voulais pas te le dire, mais tu es sainement embauché, tu sais, ça va? C'est rien, ça va aller. Non, tu ne vas pas du tout. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire dans un tel... Je n'ai pas le temps de t'expliquer. C'est le problème qui concerne les Saiyans. Très bien. Je te demanderai plus rien. Mais fais-moi plaisir et mange au moins ça pour reprendre un peu de force. Tu as obtenu plein de jours de mélange. Je ne sais pas ce que tu mijotes, mais prends soin de toi. Et pars d'ici si tu vois que la situation tourne au vinaigre. D'accord. Est-ce qu'on se reverra? Peut-être. Je vais continuer de cuisiner, c'est ce qui me passionne. Je n'arrêterai pas d'inventer de nouvelles façons d'assaisonner mes plats. Alors, promets-moi de revenir goûter à toutes mes spécialités. Ok, très bien. Mais mec, sache que tu es vraiment très bizarre. On a pris cher quand même sur ce combat. Je vais pas le dire, mais on a pris très très cher. Juste à terminer, niveau 37. Allez. Je pense qu'on va... On va continuer, on est plus loin de la fin. Sachant qu'on ne finit pas le DLC ce soir, il y a encore un autre passage à faire. Juste après ça, il y a encore un autre truc à faire. Le plus proche, c'est celui-là. Il nous reste une dernière histoire à faire avec Bardock, et ensuite il y a encore une petite histoire avec un autre personnage qui va pas prendre beaucoup de temps, mais je pense que le DLC est terminé. Je pense que la première partie de ce défi est terminée. Alors, oula, vache, je suis au niveau 50. Je sais pas si on va arriver au niveau 50. On va essayer de tous les faire sans perdre de vie. Sans perdre trop de vie. Bon, c'est ça. L'expérience, c'est chiant. Ah,
Ah non, j'ai perdu. On va y arriver. Je n'arrive pas à le toucher. Ah, c'est pas vrai. Donne là, je devrais pouvoir. Ça, je te dis pas en faire. Pas le, les autres. Super canon. Super canon inspiré à la finale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner et on va continuer l'histoire. Pas qu'on fasse le combat en même temps. Une série de combats t'attend. Consulte tes objets de récupération et la tablette d'attaque spéciale avec précaution avant de te lancer dans cette épreuve. Non, parce que je vais sauvegarder. Il faut que je sauvegarde d'abord parce que c'est mon image. Voilà, 37. D'ailleurs, on a commencé niveau 20. Hein. Allez, les dernières secondes de l'histoire de l'ordre. Niveau maximum c'était niveau 50, mais on va pas s'emmerder à monter jusqu'au niveau 50. En tout un temps. Je vais te montrer.
Convaincu qu'il s'agit de la situation et des visions du futur, Bardock ainsi que ses camarades, Saiyan a renversé Freezer. Cependant, ses frères d'armes refusent de le croire et le père de Sangoku se voit contraint de partir pour un ultime combat dans l'espoir de se forger, de forger un futur meilleur. Symbo semble avoir un comportement étrange et peut-être qu'il prépare une puissante attaque. Prépare-toi à le bloquer ou à te barrer très loin. この星の最後の眺めになりますね。フリーザ様。お？わ、かもまた Nord d e n t o t a l 150 nous tout seul. Mais bien sûr. La bonne blague. Je vais essayer de tuer le maximum qu'on peut avoir. Franchement, ça m'arrive un peu, pas du tout. Ça va, on peut pas. Allez, explosion Z. 55 ennemis pour arriver jusqu'au terme du niveau 3. Il va essayer le dernier. Pour l'instant ça va, on a pas perdu, on a perdu presque une barre de vie entière. C'est bon. Première save d'en... Ouh... Ra S en plus en termes de points d'influence. Pas mal, on a une boucle d'orbe. Je pensais pas que je vivais. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Ok. En combat de rien. On n'a pas gagné le level.
facile. C'est dommage. J'ai le temps de soigner trop rapidement. Ouais, il fait très très bien. Je gagne pas un niveau, j'en gagne deux niveaux d'affilée. その場から下がれ。フリーザ様が出られる。フリーザ様が早くしっぱ。巻き込まれても知らんぞ。くそ。引き返しやがった。なぜ。フリーザ様だ。フリーザ様。おお。フリーザ様。一体。Il réagit comme si c'était la première fois. フリーザ。ようやく出てきやがったな。よくぞここまで抵抗してくれました。私としては何も知らず愚かなあなたたちのまま宇宙の地にしたかったのですが。見上げた根性です。でしょう。そんなあなたにご褒美をあげましょう。このフリーザ様があなたのお相手をしてあげます。最後の思い出というやつです。ふざけやがって。さあ、いらっしゃい。フリーザ。Moi je suis juste level 39. C'est déjà un puissance. Normalement, avec tous les soins que j'ai, je devrais pouvoir le gagner. Mais ça va être un peu. Ah oui, il faut se concentrer entre ça, les scènes de vision qu'on peut avoir, c'est assez compliqué. Ah,
人は不愉快なれですね。お楽しみはこれからで。C'est bon. Faut que je fasse attention au prochain parce que là il y a énormément de. En fait, c'est un combat qui est presque impossible à gagner de base. Et quand Obi a gagné là dans ce jeu, c'est un truc de fou. Bien entamé celle-là, c'est gagné. Ah putain, je pense que quoi. Yes, 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 yes
être chaud. Ça va être coton. Il n'y a que là que je peux. C'est là que je donne tout. C'est maintenant. Il faut que je fasse très attention, que je reste encore très concentré. Là, j'ai plus le droit à l'erreur. Ah, punaise. Ah oui. C'est bon? Voilà. Gohobi no jikan wa owari desu. Ah, je crois que c'est bon. On s'en fout parce que pour l'instant, niveau 40, je respire. Je respire parce que là, ça a été mieux. Voilà. Vous l'avez pas voulu m'écouter. Et voilà, la planète elle meurt maintenant. Fallait m'écouter. Fallait m'aider à combattre Freezer. J'arrête pas de taper dans le micro, ça. Le micro est contre moi.
pas comment la planète Vegeta fait. Bon, mais combat très difficile contre Freezer, mine de rien. Level 42 pour lui et level 39 pour moi, c'était un peu chaud. Heureusement qu'on avait des soins, mais même ça, c'était limite. On était très très limite en termes de soins. Donc, en passé, pour le reste de l'esprit, être pour toujours. よし、 Et c'est vrai, c'est la légende de Dragon Ball qui commence là. En fait, merci pour les droits d'auteur, c'est génial. J'ai fait exprès de pas entendre parler de Kuneba et de l'entendre. Je vous laisse quand même écouter. Bon allez, maintenant que YouTube est passé par là pour le droit d'auteur, c'était l'arc de Bardock, du coup, qui nous raconte un petit peu les prémices de Dragon Ball, on va dire ce qui se passe sur Fox, ce qui se passait. Je crois que dans le manga, je crois qu'il doit avoir 11 ans, sans doute dans la première, c'est pas la même chose que Dragon Ball. C'est toujours bien de commencer par ça.
passe, on sait ce qui était bien, on sait ce qui se passait pendant le temps. Même si l'événement, on apprend plus tard dans l'histoire. Mais il me semble que même dans l'ordre des sorties des de l'anime, je crois que l'histoire de Bardock est sortie très tardivement, il me semble. Je peux peut-être dire une connerie, mais je crois que c'est, je sais pas si c'est pas sorti en 94. C'est sorti très tardivement, c'est pas sorti de suite. C'est sorti très tardivement. Je les ai tous déjà, je les ai tous, sauf le dernier, j'ai pas compris, faut que je me prenne d'ailleurs, Dragon Ball S, super super héros, mais j'ai tout, un animé, je parle, un animé de Dragon Ball, j'ai la saga Dragon Ball, j'ai la saga Dragon Ball Z, j'ai la saga Dragon Ball GT, j'ai les films, j'ai tous les autres, le premier, donc, les trois Dragon Ball, jusqu'à la revanche de Freezer sur Dragon Ball Z, encore, c'est encore Dragon Ball Z, c'est pas. Et j'ai aussi Dragon Ball S, donc, j'ai tout ce côté, mais en version animée, je les ai pas en version manga. Bon, est-ce qu'on peut passer, là qu'on a eu le bonheur d'écouter cette musique, passer à cette cinématique, oui, ça sert à rien qu'on regarde la suite. Puis de toute façon, le live va durer trop longtemps, donc du coup, on va couper là le live, même la vidéo tout simplement. Bref, bah écoutez, j'espère que mine de rien ça vous a plu. Bardock finit par partager la destinée de la planète Vegeta. Cependant, son dernier souffle, une aspiration à changer le destin, parvient à persister à travers les âges. Bon, j'espère que dans tous les cas, cet épisode vous aura plu. Mercredi soir, quand on est en train de faire un live, du coup, ou une vidéo, c'est pas grave, on va continuer, on va finir vraiment le DLC de l'histoire de Bardock, parce que je crois qu'il nous reste encore un truc à faire. Avec un autre personnage, il me semble, si je dis pas de bêtises, on va le savoir dans quelques secondes, et ensuite on continuera cette fois-ci l'histoire. Voilà. Félicitations pour avoir terminé cette histoire, les fonctionnalités suivantes ont débloqué l'histoire du prince Vegeta, car l'entraînement a avancé et aurait joué l'histoire. L'entraînement difficile a été débloqué, nos partenaires d'entraînement ont été débloqués, utilise les piliers de lumière verte pour tester ce que tu as dans le ventre, et rejouer l'histoire te permet de voyager dans le passé. Je vais échapper de l'histoire que tu as terminée. C'est le moment de jouer des histoires secondaires que tu n'as pas fini ou pour obtenir le meilleur rang sur d'autres. Tu ne pourras contrôler que les personnages disponibles à ce moment, mais tes statistiques et tes objets seront conservés pour ton voyage temporel. De plus, les histoires secondaires accomplies dans le passé seront aussi considérées comme accomplies dans le présent. Bon, bref, ça c'est un détail. Attends, une histoire secondaire. L'histoire de Prince Vegeta, voilà, c'est ce qu'on va faire plus tard. Tu peux jouer l'histoire de Prince Vegeta en examinant le pilier lumière près du quartier Sky. Découvre les événements se déroulant en coulisses des luttes de Bardock à travers les yeux du jeune Vegeta. En plus, on a une quête à plus. Attends, on va voir ça. Il y a rien qui s'est débloqué. Mais pourquoi des trucs de coup mal? On ira voir ça plus tard. Bon, enfin bref, on va s'arrêter là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer de regarder. Je vais repasser à l'interdiction. On n'a pas d'argent, on est pauvres, malheureusement. Mais dans tous les cas, voilà. Bon, bref, ben, sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors désolé, l'épisode a été plus long que prévu, mais voilà, je voulais vraiment terminer le DLC. Bon, là c'est sûr, il existe l'histoire du prince Vegeta, et derrière on continuera l'histoire de Dragon Ball Z, donc le début qu'on a fait avec le premier arc, l'arc des Saiyans qui débarquent sur la Terre. Bref, sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu d'amour si vous avez adoré, n'hésitez pas à commenter aussi. N'hésitez pas à me dire par rapport au niveau du son comment ça a été. Alors normalement, si je ne parle pas pendant les 20 premières minutes, vous n'avez pas eu à avoir du son du jeu, à part le son de moi, et après, pendant les autres minutes, vous avez tout le reste de la vidéo, vous avez eu du son. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comment ça a été pour vous de ce côté-là. Bref, on se donne rendez-vous mercredi soir à partir de 21h30 pour la suite de ce Let's Play de Dragon Ball Z pour le troisième épisode.
C'était G pour Geek City, on se dit à très vite, ciao ciao.